trop une grosse tête. Une grosse tête, hein. Ouais. On dirait un indien avec ses pins comme ça. Les aigles pêcheurs, donc des qui reviennent à se fixer face à nous, hein, face au vent, peut-être au vent dominant. Le dresseur qui est sorti de la foule, on va le prendre le petit bassin qui a cet été. Et notre ami Takeo, un magicien en âge adulte, de devenir mon dresseur technique. Le voici qui revient, regardez, et qui décroche les jambes. Il a de belles manœuvres, Takeo. On peut faire des choses. Ça chasse en plein vol. Oh.
Du coup, j'ai les yeux fermés ou quoi? Il dort. Je suis sûr parce que je vois des noix. Une superbe manœuvre de recherche. Pour celle que vous avez peut-être, c'est la seule que Marteau tira pas, s'il vous plaît. Son joli masque facial, la voici, en forme de cœur. Ce vol du pitch papillonnant, léger. Boité et donc complètement silencieux. Voilà, tout simplement. Et elle repart. Peut-être elle aime bien quand il fait très froid, tu vois. Très froid. T'as vu comme il est beau ses yeux? J'adore ses yeux. Elle est trop bien, hein. Elles ont un rôle complètement décoratif et ornemental, et c'est une particularité. Ça, c'est quoi ça? 6 paillettes barbues. T'as vu ces griffes? T'as vu ces paillettes? Je t'ai dit qu'il va falloir que tu te lèves. Allez, par contre, rapprochez-vous si on nous débatte dans le même la page de l'unique dans mon visage. Il attaque le serpent. Comme ça, je sais pas. Ouais, il écrase la tête. Celui-là, il est beau, non? Ouais.
Fauve ici en l'occurrence, le vautour moine et vautour d'Arcopter, donc lorsqu'il ne reste que la peau et les œufs. Oh my god! Oh là, le loup est sorti! Il s'agit ici de la femelle! Que l'on différencie du mâle. Dans leur compagnie, nous allons accueillir un autre géant des Pyrénées. 2,50 m à 2,70 m d'envergure, le vautour fauve est avec nous à son tour, le gibet pour ce vol est poussé de son petit nom apparaît également. Et il part directement tester les conditions. Regardez, très belle image, le gibet. Oh là là. Et le vautour fauve, regardez, face à vous sur la côte. Le grand vautour, le président disparu, il y a plus de... Le charmant oiseau vaut pour rejoindre la quitter.
poissons ne se caressent pas, ce sont des animaux qui évoluent au quotidien en conditions réelles, donc ils ont besoin de garder l'intégralité de leur plumage. Allez, il passe. Ah oui. Alors, on va mon téléphone. C'est la plume. C'est rare, hein. On fait confiance.